Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui jeudi le 11 décembre 2014. Donc, je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Par clairvoyance, ce que je vois, c'est que vous êtes demandé à vous reconnecter à des énergies féminines sacrées. Peu importe c'est quoi l'énergie féminine sacrée pour vous, c'est sûr que je vois une belle, comme la Vierge Marie ou Queen Yin, c'est toute féminine, toute très bien habillée, c'est la divinité, là. Il y a beaucoup d'abondance, c'est sacré. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil ce matin. Donc, c'est ce qu'on vous demande de vous reconnecter. Bon, c'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'en 2015, c'est la connexion entre le féminin et le masculin sacré. Plus vous allez être reconnecté au féminin sacré, et plus je ris parce que je vois l'archange Uriel dans mon énergie ce matin, et plus vous allez... Ce qu'on me montre, c'est que c'est la guérison du féminin en général pour arriver au féminin sacré qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on me dit. Le symbole que j'ai dans le cou, en fait, c'est la croix ankh, la croix en C. Cette croix-là, c'est le symbole de Isis et Osiris qui font un. Donc, c'est vraiment de pouvoir atteindre ce symbolisme-là, entre autres. Mais c'est juste des symboles, c'est juste... En fait, ce que je vous demande, puis je vous fais comprendre, c'est que 2015, ça va être beaucoup le féminin et masculin sacré qui vont faire un en énergie. Donc, il va y avoir plein de choses en général, aux gens en général, à corriger pour arriver à atteindre cette énergie-là également. Si vous voulez avoir vos prédictions 2015 personnelles, je fais des courtes vidéos d'une dizaine de minutes que je demande 20 $ pour. Que je vous envoie par courriel. Donc, vous avez prédiction au niveau amour, finances, santé, à moins que vous ayez autre chose que vous vouliez que je fasse. Je réponds à une de vos questions personnelles. Donc, pensez-y, la question la plus primordiale que vous voulez avoir une réponse. Et puis, je vous donne également des outils, de l'enseignement, peu importe ce que je vais recevoir, c'est différent d'une personne à l'autre, pour votre énergie et l'abondance dans votre vie pour 2015. Donc, pour améliorer votre énergie, c'est-à-dire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire appel à moi, Chantal A Commercial Coaching Chantou.com. Allez voir sur mon site internet, le www.chantalleduc.ca. Vous allez voir sur ce site-là, c'est déjà en place. Ben, je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous. En tout cas, ça va être là d'ici quelques heures, si ce n'est pas déjà là. Sinon, vous pouvez toujours me contacter par courriel ou par téléphone, ça va me faire un plaisir. Et je fais toujours des lectures d'âme aussi personnalisées, hein, en personne, par Skype, téléphone ou peu importe la manière. Donc, et c'est à titre de contribution volontaire. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, mais vous me donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de taux fixe. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que premièrement, bon, là, vous semblez être un petit peu à l'envers dans votre énergie. Au niveau amour, on vous demande d'aller plus dans écouter la voix de votre cœur. Avancez en écoutant la voix de l'âme puis du cœur. Exprimez ce que votre âme, votre cœur veut. Tout simplement parce que là, il y a comme... Ben, je dirais qu'au niveau du négatif, ça va, là. Vous avez venu à bout de transcender certaines peurs, je dirais. Mais encore, il y a encore des choses à aller plus au niveau du cœur et de l'âme, exprimer la voix du cœur et de l'âme et non de la personnalité, de l'ego. Donc, tout simplement, en vous demandant si ce que vous faites à chaque instant, c'est en alignement avec votre âme. Puis vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Quand c'est négatif ou il n'y a rien, c'est que c'est pas là. Puis s'il y a quelque chose de positif, une bonne émotion, tout ça, c'est que c'est ce que vous avez à faire. Vous allez savoir. Pratiquez-vous. On vous demande de prendre du temps pour vous, hein, de méditer, de vous connecter, parce qu'il y a comme un débalancement entre le recevoir et le donner. Pour
Pour certains, vous recevez beaucoup, vous donnez moins. Pour d'autres, c'est le contraire, vous donnez trop puis vous recevez pas assez. Il y a un déséquilibre. Ça encore, c'est les énergies féminines, masculines, comme je vous disais tantôt. Puis c'est sûr que là, on travaille beaucoup au niveau du temps depuis un certain temps. Donc, on travaille à ce que vous puissiez gérer votre stress mieux par rapport au temps. Puis, oubliez pas, hein, c'est sûr que sur le plan humain, sur le plan physique, matériel, on a un temps, on a du temps, puis des fois, faut aller avec ça. On n'a pas le choix, entre guillemets, on a toujours le choix, mais tu sais, si on a un rendez-vous à telle heure avec un docteur, c'est à cette heure-là qu'il faut être là. Mais c'est ça, c'est que j'ai comme, moi, je vois, en tout cas personnellement, puis j'imagine que si je le vois en tarot, c'est que c'est là en général pour la plupart des gens qui vont écouter. C'est qu'on a un challenge au niveau du temps. Tu sais, puis c'est d'oublier, parce que c'est un facteur de stress intense. Puis en même temps, des fois, on se cédule des choses, puis c'est toujours parfait. Il y a toujours. Donc, la vie va faire en sorte que il peut avoir un accident sur notre chemin, il peut avoir une autoroute de bloquée, il peut avoir du trafic, si c'est ça. Mais tout ça, c'est pour lâcher prise. Parce que quand vous accentuez au niveau du stress, un, c'est pas bon pour votre énergie. Puis deux, ben, vous émanez une énergie négative, entre guillemets, par rapport à ça. Puis ça l'accentue encore plus. Fait qu'en lâchant prise, un, il y a des choses qui vont se faire. Mon chum, il dit que il est fort parce qu'il est capable de créer des choses qui font qu'on arrive en retard, tu sais, par sa parole. Mais c'est pas ça. C'est que moi, je crois qu'on est créateur de notre vie, tu sais, même jusqu'à la température, tu sais, on peut arriver à créer que. Je sais pas, il y a quelque chose qui va faire que ça sera pas sur notre chemin à nous quand on est dans le positif. Donc, c'est ce que. Puis là, je vois que c'est beaucoup par rapport au temps. Le temps, c'est très important de lâcher prise là-dessus. C'est sûr que. Puis c'est d'avoir confiance que peu importe ce qui arrive, ça va être là. Puis c'est le temps qu'il faut pour. Donc, c'est ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Peut-être pouvoir chatter là-dessus sur mon site internet ou sur plutôt sur ma page Facebook. S'il y a des gens qui vous trouvez qu'au niveau du staff, vous avez des challenges, ben j'aimerais ça en entendre parler. Donc, allez voir sur mes sites Facebook, Chantal Leduc, auteur, coaching de la vision Chantou. Vous allez voir, j'ai différents groupes aussi de retour à la source coaching de l'âme. Puis là, j'ai créé un nouveau groupe qui s'appelle Rêve pour qu'on puisse écrire nos rêves de nuit et de jour. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain.